Je ne crois pas. C'est le soir de la peur. Si ça continue, moi, je vais péter un infarctus. Bonjour, Manu. Qu'est-ce que vous foutez dans le salon? Non, vous êtes relou. Hein. Je vous ai dit le salon en cas d'urgence seulement. Mais quoi? Et puis, c'est de temps en temps, c'est pas une urgence pour toi? J'en peux plus, moi, à force de me retenir. C'est pas de la rétention que je fais, c'est du stockage. Non, si ça continue avec tes règles à la con, là, au printemps, moi, je vais avoir un boulot tout trouvé. Hein. Je vais faire canadaire. C'est vrai, Manuel, il faut bien te faire pipi. Et c'est pour aller disbroquer que t'es obligé de chourir le peignoir de la vieille, toi? Oh, je sens pas le plan, je sens pas. Hein. Ça va mal finir ça et c'est ma pomme qui va trinquer. Ça va, Manu, te bile pas, y a pas de lézard. Hein. T'es un pote, si tu veux qu'on se casse, on se casse. Je veux pas que t'aies des problèmes à cause de nous. Et pauvre bouffon, on sait que t'es raisonné après. Encore tu serais tout seul, y'aurait pas de problème. Mais avec ta Barbie sibérienne, là, tu fais vraiment pas dans le facile. C'est moi, Barbie sibérienne? Non, non, cool. C'est gentil ce qu'il dit. Non, mais tout ça, c'est mon problème, Manu. Je vais trouver une solution. Ah ben ouais, t'as qu'à aller squatter une église. Et après, tu demandes une régularisation de ta situation. Ah ben j'en ai marre. J'en ai vraiment marre. Et cool, man. Il va pas nous la jouer déprime non plus, hein. Mais il y a plus méchant comme galère ou l'autre. Hein. 130 mètres carrés boulevard Murat, le McDo à deux pas, tout le confort sans les factures, jusque quelques contraintes de discrétion et monsieur la ramène. Non, mais j'hallucine. Ah, la queue. Bah, bravo, Teresa. Moi, il était pourtant sourd d'avoir éteint la lumière, moi. C'est bizarre, ça, hein. Mais on m'a fumé là-dedans, hein. Ah, ça sent la cigarette. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est toi? Ah non, 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 tu m'as fait peur. Merci, Jésus, Marie, Joseph. Mais qu'est-ce que tu fous ici, toi? C'est Madame Lechena. Elle m'a dit qu'il y avait deux gouttes qui sointaient du plafond de sa salle de bain. Alors je suis montée pour voir si ça venait pas d'ici. Ben, avec quel pied toi est rentré? Ben, avec mon passe, tiens. Tiens, elle ouvre ici? Ah oui. C'est bizarre, ça. Oui, mais en tout cas, de toute façon, il n'y a rien qui cloche, tu peux être tranquille, voilà, tu peux y aller. Oh, Manuel qui s'occupe des fuites dans l'immeuble! Ah non, ça y est, je ne crois pas, hein. Ça ne crois pas. Ouh, c'est pas de la pluie qu'il va tomber demain, c'est de la morousse! Et pourquoi t'es montée puisque t'es déjà venue hier? Ben, je suis montée parce... Ben, dis donc, Manuel, comment tu sais que je suis venue hier? Ah ben, c'est Carole, hein, la petite bonne des Blanchets. Hein, ben oui, je te cherchais hier après-midi, alors c'est elle qui m'a dit qu'elle t'avait vu rentrer chez les sœurs Figeac. Ah bon? Mais quelle saloperie, cette Carole, hein. Avec des yeux là partout. Et toujours à se mêler parce qu'il la regarde pas. Ben pourquoi t'es remontée? Ben, je suis remontée... C'est à cause des plantes. Des plantes? Enfin, surtout... À cause des ficouches. Les ficouches. Viens comprendre qu'est-ce qu'il parle, les ficouches. Il est maudit, il est bizarre. Écoute-moi. Je l'arrose. Et 5 jours plus tard, je reviens et il y a plus d'eau que je te mets. Alors, non, c'est le martel, bois pas ces ficouches. Mon plus, elle fabrique de l'eau. Mais c'est pas une plante verte, hein. Ça, c'est une fontaine municipale. Mais maman, ça dépend des variétés. Il y a des ficus des pays froids qui boivent très peu d'eau. Ça doit être un ficus de Norvège ou de Islande peut-être. Et ta mère? Tout la prends pour une connasse de porto peut-être? Mais non, maman, tu
tu sais bien que t'es la meilleure. Allez. Ça, c'est vrai. Ben quoi, tu dis rien? Ah ben si, c'est vachement beau. Comment elle a fait? J'ai jamais vu une aussi belle table. Elle a fait ça, dis donc. Mais tu gueules pas? Pourquoi tu veux que je gueule? Bah, les verres à bouteille, on a tout sorti, quoi. Ben vous avez bien fait, ce soir c'est la teuf. Et puis, on va tout ranger à la fin et on va pas lui niquer sa nappe. Hein. Et puis les objets, c'est comme les gens. Hein. À force d'être enfermés, ça devient vieux et ça pue. Ah ben moi, j'ai une pêche d'enfer. Ah ben si monsieur le baron veut bien s'installer, je vais lui servir un petit porto. Ben merci, William. Hé, pas trop petit, le porto. Ah, merci. C'est pas mauvais, hein, ta noël portugaise. Hein. Tiens, remets-moi un peu. N'hésite pas. Oui, doucement, quand même. Ah, merci. Je comprends tout, hein. C'est ça, en fait. C'est ça qui fait pousser les poils, hein. Hello, hello. Hello. Je suis assez canon pour deux hommes de ma vie. Avec canon, je sais pas, mais je peux t'assurer canon, oui. Oh là là, trop bonne, la mère. Ouais. Ils vont se calmer, les migrés, ouais. Madame est en main. Ça m'étonnerait qu'elle échange le méchoui par la morelle. Ce qui est con avec vous les rebeux, hein, c'est que vous êtes vraiment pas partageurs. Hein, hein. Arrêtez de bagarre, garçon! Il est véritable manger! Natacha, ce soir, heureuse comme petit renard bleu, quand au printemps. Natacha envie rire, chanter. Natacha envie boire, gorgeant de piquant. C'est quoi ça, gorgeant de piquant? On te bute pas, c'est le champagne. Moi, aussi heureuse que jour où Natacha devienne Miss Talouchograd il y a 5 ans dans le concours, beauté. Et c'est où ça, mon petit cœur, Talouchograd? Bah, tu connais pas Talouchograd? Ça aide gros village nord de Vénus. Bah, voyons, Talouchograd. Tiens, raconte-nous comment t'es devenue Miss Machin, là. À Talouchograd, il y avait école coiffure. Quand maman morte, papa inscrit-moi école. Et un jour, camarade d'école inscrit-moi concours, beauté. Moi, pas savoir. Rentrer par coulisses, eux faire croire moi être porte normale pour entrer salle de danse, moi marcher sur podium, 12 personnes regardent moi, rouge montée tout figure. Une demi-heure après, mauvaise plaisanterie. Entendons au micro mon nom, Natacha Grosek. Et voilà moi, Miss Talouchograd. Et quoi, t'as eu des cadeaux? Bah, très jolie paire, chaussures, talons en vraie vache. En quoi? Bah, en cuir d'un connard. Et t'étais heureuse? Niet. Natacha beaucoup pleuré. Moi, 37 numéros, chaussures 39. Natacha pouvoir faire ski avec chaussures. Mais Natacha 15 ans, alors pas très grave. Oh, si je te disais tout ce qu'elle m'a raconté, t'hallucines. Eux, ils sont corrompés cul marron, ils sont carrément à l'âge de pierre. Ils y vont, ils chargent. Et peut-être que les capotes, ils les font crocher à la maison, peut-être aussi. Ils y vont, et presque. Oh, l'autre. Vous, pas ok. Et d'abord, vous, pas savoir. Vitre et défaissée dans le pays communiste. Et c'est même les airs plus confortables qu'à Vilnius. Alors moi, pris l'autocar et débarqué Paris. C'est vrai qu'elle était mignonne à la Bastille avec son petit journal. Monsieur, madame, un franc pour manger. En plus, les mecs, s'ils voulaient entraver quelque chose, ils avaient intérêt à t'écouter attentivement. Manuel, arrête-moi comme moi, toujours moquez-moi. C'est toi, moi, ça, je suis très jeune, pas normal. Oh, mais ça va, Nathalie, gâche pas la teuf. Regarde, là, c'est le paradis. Allez, tiens, chante-nous plutôt ton tube polonais. Lay, 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 lay. Ah non, l'autre, là. Kalim, kakalim, kakalim, kakala. Oh la 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 la. Je peux vous dire deux mots avant le troisième couplet. Madame Dupré, qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, apparemment, je dérange. Tu vois, Jeanne, tout de même, nous sommes reconnus. On ne s'est trompé ni d'immeuble, ni d'appartement. Bonjour, mon petit Manuel. Dis-moi, t'as pas encore grandi, toi? Bon, Jeanne, tu fais court pour les politesses. Surtout, je n'ai pas l'impression qu'elles s'imposent. C'est-à-dire, Madame Dupré, on vous attendait pas du tout? Ah, mais merci, mon petit Manuel. Sans être Sherlock Holmes, j'avais deviné. Je t'avouerai tout de même que je suis déçue. Toi, un gosse que j'ai vu naître, que j'ai vu grandir, que j'ai emmené au jardin d'hiver. Oh, deux fois. Peu importe. Je n'aurais jamais cru que tu profites de notre absence pour organiser une surprise party boom dans notre appartement. Et je suppose, tout du moins j'espère que ta mère n'est pas au courant. Bien sûr que non, voyons. Bien.
Alors, étant donné que nous arrivons de Bordeaux et que nous sommes très fatigués, tu vas me faire le plaisir de débarrasser le plancher. Nous réglerons nos comptes plus tard. Quant à tes amis, sois gentil de ne pas les oublier. On a déjà un pouf marocain dans l'entrée, plus ça serait peut-être trop oriental. Marie-Bonne, là, tu vas quand même un peu fort. Nous, très désolé beaucoup. Vous, ma gueule, s'il te plaît. Nous, pas être méchante, être gentille, mais pas savoir où va. Et on la branche où, la prise Péritel, là? Parce qu'apparemment, elle fonctionne avec des codeurs, la petite. Je sais pas toi, Jeanne, mais moi, je n'ai rien compris. Oh, mais est-ce que tu peux être mauvaise? Cette petite est étrangère. Mais j'espère pour elle, sinon, va y avoir une grosse rééducation. Mais à quelle cause, la mémé, là? C'est pas parce que vous nous piquez en fraude chez vous qu'il faut nous piétiner la gueule, hein? Et puis, Nat, vous la touchez pas, parce que votre pauvre marocain, je vous le fais péter, moi. Eh bien, tu vois, s'il y avait encore un doute sur les personnes à qui nous avions affaire, au moins maintenant, c'est clair. Alors écoutez-moi bien, bande de petits voyous, vous avez 2 minutes pour lever le camp, sinon j'appelle la police et c'est pas de 8 jours d'arrêt dont vous allez écoper. Madame, s'il te plaît, moi, vois dans ton œil, toi pas mauvaise. Pas police, s'il te plaît, regarde autour de toi, nous rien casse, nous rien abîme. Mais bien sûr qu'ils n'ont rien abîmé, enfin Marie-Bonne, après tout c'est vrai. Ils avaient envie de faire une petite fête, ils ne savaient pas où aller, Emmanuel, sachant qu'on n'était pas là, à disposer de l'appartement sans nous demander. Oh, et puis regarde cette jolie table, c'est charmant tout ça, vraiment. Oh, et puis, c'est peut-être l'anniversaire de la petite, hein. Oh, regarde comme elle est belle, vraiment. Allez, ils vont rentrer chez eux et puis on n'en parle plus, hein. Jeanne, je ne sais pas si c'est son anniversaire, mais si tu continues sur ce ton, ça va être ta fête. C'est pas si bas, Madame Gentille. Mais nous, pas rentrer chez nous. Chez nous, être ici. Jeanne, mes gélules dans le vanity. Passe-moi mes gélules. Ah, mais qu'est-ce qui se passe encore ici? Madame Toupré, je ne savais pas que vous étiez rentrée, Madame Toupré. Bonsoir, Amazonienne. De la rue en rentrant, qu'est-ce que je vois? Toutes les fenêtres du salon éclairées. Et la cuisine. Et la chambre de Madame Toupré. Pour un appartement de vide, on aurait dit Versailles. C'est ça, même Manuel, qui vous a aidé à monter les valises. Ah, oh, c'est gentil, les garçons. Ah oui, 100%, quand il faut donner un coup de main, hein. Elle n'a pas le dernier. Oui, il est très serviable. Et pendant qu'il y était, il a monté les siennes aussi, ça ne faisait qu'un tour. Ah. Et puis vous avez amené une amie à vous de la campagne. Arrête, maman, tu comprends rien et tu compliques tout. C'est ça, mais dis que ta mère est une imbécile, hein, et devant du monde encore, hein. Ouh, tu mérites une connexion. Mais signe avec ça, ma pauvre Teresa, mais ce n'est pas tout. Mais qu'est-ce qu'elle a fait encore? Elle a demandé de l'argent pour monter les valises. Oh non, 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 c'est pas du tout genre de Manuel, même si j'avoue quand même que cette fois, il a agi un peu à la légère. Hein. Expliquez-moi, parce que là, il comprend rien. Manuel, être gentil beaucoup, madame maman. Lui, être la meilleure amie à Sam et moi. Qu'est-ce qu'elle dit? Il comprend rien. Asseyez-vous, Teresa, je vous explique. Manuel a piqué nos clés chez vous, il en a fait faire un double, et sachant qu'on n'était pas là, il en a profité pour installer une patrouille de félagasses qui se la coule douce et qui s'est installée ici en toute impunité pendant que vous vous frottez vos marches et que nous on vieillit à Osgore. C'est compliqué. C'est compliqué. Y a tout eu rien compris. C'est pourtant simple, madame da Silvane. Natacha, c'est ma fiancée. Et comme on est à la rue, Manu nous a installés ici il y a un mois. Ah, non, c'est pas possible, hein. Parce que je monte tous les 4 jours pour arroser les plantes, hein. Mais nous, pas vivre appartement. Nous, vivre caché, petite chambre côté cuisine. Et toujours passer par local poubelle. Vous, pas vu. Et vous, jamais venir dans petite chambre. Moi, viens juste pour douche ici et soigner plantes. Si. Mais je comprends tout maintenant. Mais oui, mais évidemment. Mais oui, si on est en doux, on s'en occupe. Mais oui, c'est plus le soigner. C'est noyer. Manuel, tu sors d'ici avec tes copains. Tu descends faire ta valise et tu me fous le camp aussi sous les pots. Saloperie.
Jamais! Il y a où des voleurs chez les Da Silva? D'où va-t-on? Je n'ai rien volé! Jamais! On n'a rien volé, maman! Mais madame Da Silva, Manuel, il y est pourri. Non, mais il y est pour rien, il a juste voulu sortir des copains de la merde, c'est tout. Hein. Mais vous avez... Moi qui me plaignais du calme et de la monotonie à Osgore, au moins, à peine arrivé à Paris, on a de l'ambiance, ça change de rythme. Et t'es contente de toi? Pas mal, oui. Après tout, je nous ai réglé ça en deux coups de cuillère à peau, non? Ah, pour ça, nous, oui, pas de problème. On va pouvoir se réinstaller confortablement dans cette demi-orfeutrée où rien ne peut nous atteindre. Oh, arrête, Jeanne, je le connais par cœur, ton grand numéro de frustré de pas avoir pu jouer les Mères Teresa. Oh, et puis c'est facile, et dimanche, t'auras qu'à mettre 20 francs à la messe, ça rachètera l'ensemble. Mais tu m'emmerdes à la fin, qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse? Les garder. Mais tu délires, ma pauvre fille, tu ne les connais pas, toi, ces gens-là. Moi, je les ai côtoyés de près dans les Aurès. Dans 8 jours, t'as des canards dans la baignoire, une chèvre dans le dressing, et je te donne pas un mois avant qu'ils fassent un méchoui sur la moquette de la salle à manger. Oh, mais oui, mais t'as certainement raison, sans compter qu'ils allaient peut-être nous forcer à porter le voile, hein. Non, mais enfin, ma pauvre Marivonne, à quelle époque tu vis? En plus, tes préjugés, en plus d'être méchants, ils sont jaunis à force d'être démodés. Tu vois, on a beau être sœurs, il y a des jours où je me demande ce que nos gènes peuvent bien avoir de commun. Marivonne Dupré, jusqu'à nouvel ordre, je ne te parle plus. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse à la fin? On leur laisse une chance pour se retourner. Allez, cette petite pièce-là, de toute façon, ça fait des années qu'on n'y a pas mis les pieds. On leur fixe un délai, disons, 1 mois. Le jeune a dit qu'il avait trouvé un travail. Oui, mais ça m'étonnerait que ça dure. Eh ben, on verra bien. 1 mois, Marivonne. 1 mois. 15 jours. Et pas une heure de plus. Marivonne Dupré, je t'aime et je te reparle aussi. Voilà, on s'en va. Je sais pas si vous avez appelé les filles, de toute façon, on s'en fout, on en a marre, alors. Au revoir, madame. Nous, pas méchants, vous savez. Mais moi, pas comprendre vous. Dans mon pays, qu'en grande maison, vous mettez 10 personnes. Jamais 2 personnes vivent toutes seules. Allez, mes enfants, posez vos affaires. Je vais vous expliquer comment nous allons faire. La fée Clochette est de retour. Et toujours sous la douche, le Félouze? Je te rappelle qu'il s'appelle Sam. Et oui, le petit est toujours sous la douche. Eh ben, il a survie. Se lave pas, il apprend à nager. Ça continue comme ça entre l'eau et l'électricité, on va avoir les mêmes factures que l'hôtel Georges V. Ah, oh, toi et cette exagération tout de même. N'empêche que j'avais raison, depuis 8 jours qu'il a ce poste, il la tient bien sa place. Ce jeune garçon a vraiment envie d'apprendre. Pensez donc, la serrurerie, quand il sera bien à point, ça peut rapporter gros et rapidement. Marivonne, il y a des moments où tu es vraiment fatigante. Ah, merci, madame Jeanne. Une bonne douche fait du bien. C'est la fille du bédouin. Faites pas attention à elle, vous savez comment elle est maintenant. Au fait, dites à Natacha de venir me voir. J'ai fait de la bonne soupe aux légumes et je ne sais pas pourquoi j'en ai fait de trop. Il y en a largement assez pour 4 personnes. Merci, je vais lui dire. Vous, moi, vous êtes vraiment gentil. Bisous, madame Dupré. Oh non, vraiment, je ne sais pas ce qu'on peut attendre de plus de ces 2 jeunes. Hein. Qu'ils vivent chez eux. C'est bien simple, la France n'est plus un pays, c'est une éponge à misère étrangère. Avant, ils traversaient la Méditerranée pour aller toucher les ascédiques à Marseille. Maintenant, ils débarquent de Pologne, de Roumanie, de Russie, dans des bus brinque-ballant. Ils dorment dehors et ils vendent à la sauvette des journaux bidons dans lesquels il n'y a rien à lire dedans. Et tout ça, ça ruine le pays. Tu vas quand même pas oser affirmer que ce sont ces 2 jeunes qui mettent la France à genoux quand même. Mais que t'es naïve, ma pauvre Jeanne. Évidemment que ce ne sont pas ces 2-là. Aujourd'hui, on a tous son bon arabe, son bon juif, et tiens, maintenant même, son bon polonais. N'empêche que tous ensemble réunis, ils forment un club. Un club de quoi? Le club des spéléologues qui creusent dans le trou de la sécu. Mais écoute, Marivonne... Oh, brisons, là, tu veux, on s'en tient à nos accords. Je les supporte, ne me demande pas en plus de les aimer. J'ai fait la BA, à toi de mettre le bol du club. Vous n'avez pas toujours des soucis avec les 2 voyous de fond de couloir? Oh, mais pas du tout, ils sont très discrets, on les voit à peine. Ah, ça c'est vrai, hein. Moi, je les vois jamais, hein. Je sais pas comment elle fait pour rentrer. Peut-être qu'ils rentrent dans les gouttières. Peut-être. Ils sont vraiment attachants, la petite Natacha est comme un oiseau tombé du nid. Vous savez que je lui donne des cours de français. Oh, elle a envie d'apprendre, la petite, elle est vraiment appliquée.
Manuel, comment ça va? Je m'en fous, je sais pas, je cause pas. Dès qu'elle rentre, je me la fais deux fois la caisse. Ça la prendra à faire passer sa mère pour une imbécile. Oh, ne soyez quand même pas trop dur avec lui dans cette histoire finalement. Il a eu bon cœur. Ah bah ça, je dis pas, maman Zalia, je dis pas. C'est vrai qu'elle a bon cœur. Si. Mais dites, c'est normal, hein? C'est mon fils. Je dérange vous? Non, pas du tout. Entrez, Natacha, entrez. Bonjour, madame maman. Oui, bonjour. Allez, lisez. Cosette, attendez un peu avant de sauter. Le sauvet n'était pas très lourde, mais le pouet était loin. Et la forêt, la nuit, la terrorisait. Ça va être quoi, terroriser? Terroriser vient du mot terreur qui signifie avoir une grande peur. Vous avez déjà eu peur, Natacha? Souvent. Surtout le soir où votre soeur voulait appeler police qu'on dispute avec Sam. Oh, mon pauvre chéri, la vie vous a pas gâté, hein? Madame Jeanne, vie très gentille avec moi. Natacha être jolie, bonne santé. En plus, moi, avoir ça maintenant. Vous être jamais mariée, madame Jeanne? Oh non. Mais j'ai quand même quelques fiancés. Je ne suis pas toute jeune. Je connais quand même les choses de la vie. Et ça être quoi, les choses de la vie? C'est un petit peu gênant à expliquer. En sortant pour suivre son conseil, je me suis offerte une grande promenade dans les galeries Lafayette. Je t'ai ramené un châle. Wouh! Douce pas, il était en solde. Oh vraiment, il est super, Marie-Bonne, t'as fait des folies. Bon, mais moi j'ai une faim de loup. Oh, mais tu nous prépares une jolie table, c'est Byzance. 4 couverts, tu m'expliques? C'est une surprise. Attends, ne me dis rien, je vais deviner. Les Martineaux sont rentrés à Paris et tu les as invités à dîner. Oh non, les Martineaux sont à Cannes jusque fin juillet. Alors si c'est pas les Martineaux, le général Duchâtel et Marie-Claire. Oh, Dieu nous préserve, il paraît qu'il est devenu sourd comme un pot. Oui, c'est vrai, ça n'aurait pas été une bonne idée. Bon, attends. Non, je vois pas. Allez, tant pis, je donne ma langue au chat. Oh non, Marie-Vonne, cherche encore un peu. Allez, c'est pas difficile. C'est un jeune couple très proche de nous. Un jeune couple très proche de nous? Non, je vois pas. Oh, très très proche. Dans le même immeuble, au même étage. Dans le même appartement? Ah, ben tu vois quand tu veux. Jeanne, ne me dis pas que tu as osé, dans mon dos, inviter Kadhafi à ma table. Eh ben si je te le dis, je trouve même que c'est une très bonne idée. Eh bien, si c'est comme ça, je te préviens tout de suite, ça sera sans moi. Ce soir, pour moi, c'est banco. Je plate au télé, je garde la chambre. Eh ben très bien, c'est comme tu voudras, Marie-Bonne. Ce n'est pas parce que nous vivons chez toi que je dois céder à tous tes caprices. Non mais vraiment, quelle mauvaise langue, celle-là, c'est pas possible. J'ai pas trop l'habitude. La vérité, c'est Nat qui m'a dit... Enfin, tenez, c'est pour vous. Oh, merci, mon grand, mais fallait pas faire des folies. Pareil, c'est un petit dîner entre nous, vraiment. C'est pas des folies, hein. J'aurais bien pris un gros bouquet, mais enfin, je vous fais pas de dessin. Tenez, l'autre, c'est pour Madame Dupré. Elle est pas là, elle, Madame Dupré? C'est-à-dire que ma sœur est un peu souffrante. Son cœur, vous savez bien. Du coup, elle a fait un malaise et elle ne sera pas là pour souper avec nous ce soir. Et vous préférez nous venir un autre soir? Ouais, il n'y a pas de blême, hein, on peut partir. Hein. Oh non. C'est très bien comme ça. Et puis, elle n'est quand même pas à l'article de la mort. Allez. Ce soir, c'est sans protocole. Natacha, mettez-vous là et Sam là. Être quelque chose à manger? Protocole? Ah non, sans protocole, ça veut dire cool relax, quoi, mais les doigts de pied claqués dans les baskets. Hein. Alors, comment ça s'est passé avec vos parents? Racontez-moi. Non, mais cool, hein, franchement cool. Il n'y a pas eu de lézards. Enfin, il n'y a pas non plus le feu d'artifice et la chenille. Hein. Je leur ai parlé de mon stage, hein, chez Clé Minute. Et là, il y a le père Belkacem, là, il a eu comme une petite lumière au fond des yeux.
Après, il a dû partir parce qu'il avait des choses à faire, mais juste avant, il a fait demi-tour, il m'a embrassé sur le front, il m'a dit « Fais attention à toi, fils. » Ça s'était pas arrivé depuis 3 ans. Et après, j'ai trouvé 100 balles dans la poche de mon blouson, c'est comme ça que j'ai pu faire pour les fleurs, quoi. Et votre maman, elle devait être contente de vous voir. Oh, ma mère, vous pensez, elle parle pas, ma mère. Elle m'a dévoré des yeux comme si j'étais un gâteau au miel. D'ailleurs, en parlant de gâteau, elle m'en a fait pour nourrir toute une colonie de vacances, alors Nat vous en apportera tout à l'heure. Oh, c'est un petit dîner, bonne conquête entre nous. D'ailleurs, Natacha, si vous voulez être un amour, on va aller ensemble à la cuisine, comme ça on ramène tout et on ne fait qu'un tout. Hein? Plaisir avec, je viens. Nat, t'as encore le tiercé dans le désordre. Et pourquoi? Allez. Parce qu'on dit... Avec plaisir, je viens tout de suite. Avec plaisir, je viens tout de suite. Ah, tout de même, tu vas mieux? Je vais très bien, je te remercie. Tu vas manger quelque chose? Tu sais très bien que je ne supporte pas l'huile d'olive. Ma mère a fait des macroutes, vous en voulez quelques-uns? Des quoi? Ah, des macroutes, c'est une sorte de beignet au miel, quoi. Oh, très bien. Je vois qu'on a fait un grand pas en avant. On en est au stade 2, la colonisation par la nourriture. Enfin, Marie-Vonne, tu es insupportable. Tu en oublierais presque les lois élémentaires de l'hospitalité. Oh, mais je ne me fais pas de soucis. Je sais très bien que tu vas les réapprendre pour nous deux. Dans 15 jours, quand je reviendrai de chez le dentiste, tu tueras le mouton pour fêter l'événement. En attendant, veuillez m'excuser, mais je voudrais regarder ma télévision dans mon salon. Allez, mes enfants, mangeons et ne faisons pas attention à elle. Directeur du collectif contre l'islamophobie en France et Gilles-William Golnadel, président d'Avocats sans frontières, que nous accueillerons sur ce plateau après le Magnéto. Rappel de ce soir, la France est-elle islamophobe? La France est-elle en train de devenir islamophobe? Ben, faut reconnaître que des fois, l'islam nous fait franchement flipper. On pense bien sûr à Daesh, aux assassinats de Charlie Hebdo, à la tuerie du Bataclan, à celle de la promenade des Anglais, sans oublier les 2000 Français partis combattre en Syrie et les 20 000 fichiers S prêts à péter les plans. Tout ça tourne en boucle sur les réseaux et les écrans, du coup, pas étonnant que l'islam. Vous êtes quand même un garçon ouvert, intelligent. Comment se fait-il que vous ayez un parcours scolaire aussi chaotique? Oh ben, je sais pas si elle a été chaotique, mais en tout cas, elle a été vraiment naze. Enfin, on n'était pas mauvais en botanique. Ça dépendait des aides. Mon Dieu, les temps ont bien changé. Mais vous n'étiez pas du tout motivé alors? Oh, si, si, moi pour les travaux manuels, j'aime bien. Hein. J'aurais aimé travailler dans le son, le hi-fi. C'est vrai que beaucoup de gens de chez vous sont spécialistes en autoradio. Enfin, surtout dans le démontage rapide. Enfin, mais qu'est-ce que je vous ai fait à la langue, madame Ducré? Vous êtes toujours là en train de me chercher. Hélas, jeune homme, ce n'est pas la bonne expression. Je ne vous cherche pas, je vous ai trouvé. Et chez moi, en plus. Bon, c'est fini, tous les deux. Il n'y a pas de conversation possible avec vos caractères. C'est vrai, après tout, je préfère encore supporter ma télévision. Là où moi, je peux zapper. Mais t'es devenue complètement folle, ma pauvre Jeanne. Absolument. Complètement, complètement folle de rage, folle furieuse de constater que ma sœur est une véritable imbécile, bornée, limitée, je dirais même plus que... Attends que ça sèche avant de mettre la deuxième couche. Oh, tu vas pas t'en sortir en tenant tout en dérision cette fois, Marie-Bonne, parce qu'il est grand temps que quelqu'un te dise tes quatre vérités. En fait, ces gosses, tu les détestes même pas, ils te servent de révélateur. Révélateur de quoi? De la stérilité de ton histoire. Ça veut dire quoi, Claire? Ça veut dire que personne n'est responsable si à presque 60 ans, tu es amère parce que t'as fait un constat négatif sur ta vie. Oh, tu peux même y changer, ma vieille. Ça fait un demi-siècle que tu te plantes. Dis donc, il y avait de l'alcool dans les gâteaux du Fellouze ou bien il t'a fait fumer une spécialité de chez lui? Parce que, pour être honnête, je suis complètement larguée. Je ne comprends rien du tout à ton discours. Ah, c'est facile. Et puis comme ça, ça te donne bonne conscience. Tu m'agaces sérieusement, Jeanne Fijac. Alors vas-y, crache ton venin, crève l'abcès. Il y a des années que nos conversations sont ponctuées de moments de silence et de malaise. Qu'est-ce que tu lui reproches à ma vie? D'avoir été une longue suite d'erreurs. À chaque fois que tu revenais d'Algérie, d'Afrique, d'Indochine, il y avait cette expression de dureté dans ton regard qui me glaçait jusqu'aux os. Tu parlais avec humour de tes faits d'âme pour oublier que vous aviez laissé des centaines de gosses morts ou estropiés sur vos champs de bataille ridicules. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. D'omelette?
Mais elle ressemble à quoi, ton omelette, aujourd'hui? Il est resté quoi de tes campagnes? On va tourner la page? Changer de livre? Et alors, hein? Ta bonne mine, avec tes idées reçues d'anciens combattants-ci, au moins t'avais conscience de l'inutilité de tout ça. Mais non, faut en plus que t'en rajoutes, hein, c'est plus fort que toi. Tu pourrais pas une bonne fois pour toutes signer l'armistice avec toi-même? Et constater qu'il ne me reste rien, c'est pas si facile, hein. Arrondis au moins les angles, t'es toujours prête à mordre. C'est peut-être ma façon à moi de survivre. Je suis lucide, tu sais. Je sais très bien qu'il ne me reste pas grand-chose. Le souvenir d'un homme qui préférait l'odeur de la poudre et le baroud à une vie de famille normale. Un gosse que j'ai pas eu de peur que ce soit une fille et une croix de guerre qui s'oxyde au fond d'un vieux tiroir. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Dis-moi! T'as qu'à trouver toute seule. C'est fini le temps des sortes et des feuilles de route. Pour une fois dans ta vie, Marie-Bonne, regarde-toi en face devant un miroir et arrête de te cacher derrière un système. C'est pas si simple. Je te plains de tout mon cœur, Marie-Bonne. Du travail, faut avoir des papiers. Même si vous réussissez votre stage, il n'y a aucun patron qui prendra le risque de vous engager. Ça va être vrai, mais ça n'est pas raison pour rien faire. Tout à l'heure, je l'emmène. On a rendez-vous à l'Alliance Française. Je me disais qu'avec un certificat d'hébergement, on pouvait bien lui obtenir un statut d'étudiante ou de jeune fille au pair. Oh là, doucement. C'est quoi cette histoire de certificat d'hébergement? Je te rappelle que nous étions d'accord pour 15 jours. Or, si je compte bien, et je compte bien, l'échéance définitive est dans 3 jours. Un certificat d'hébergement pour 3 jours dans les bureaux, ça va les faire rire. C'est toi de recommencer à être méchante, madame Marie-Bonne. Natacha, comme elle doit faire France. Aïe, mais c'est qu'elle le ferait l'effronter. Mais qu'est-ce que vous êtes arrivé? Vous avez été renversé par une voiture? Ouais, quelque chose comme ça, ouais. En plus, c'est pas votre jour de chance, hein. J'ai survécu. Puis je vais vous dire un truc, moi. Mais vous avez bu? Ben ouais, j'ai picolé. Va falloir vous habituer, hein, 3e génération, ils ont changé les rebeux, ils picolent maintenant, ça vous la coupe ça, hein, madame Dupré? Oh, mais il m'en faut plus pour me la couper, mon petit. En attendant, je ne suis pas sûre que vous soyez en état de discuter, allez plutôt vous nettoyer dans ma salle de bain. Oh non, je ne crois pas, madame Dupré qui m'autorise l'accès de sa salle de bain. Vous n'avez pas peur que je me barre avec les suites de bain, non? Avant de vous barrer avec, pensez à l'utiliser et puis attachez-le bien cette fois. Oui, merci. Excusez-moi, je reviens. Bébé, dans quel état il s'est mis celui-là? Il manquait plus que ça! Arabe, squatteur et alcoolique en plus! Pardon de vous déranger, madame Dupré. Vous avez pas vu Sam? Si, il est en train de vomir sur le carrelage de ma salle de bain. Décidément, mon petit Manuel, depuis un mois, grâce à toi, rien ne m'aura été épargné. Excusez-moi de vous déranger, madame Marie-Vonne, mais là, franchement, c'est grave. Qu'est-ce qui se passe encore? Ben, ce matin, Samy a été gonflé à bloc. Faut dire que c'est aujourd'hui que dans sa boîte, on faisait des affectations pour les stages pratiques en entreprise. Et alors? Ben, c'est vachement important, hein. Parce que si vous tombez dans une bonne boîte et qu'il y a le feeling entre eux et vous, ça peut déboucher sur un boulot stable. Et comme Sam, théoriquement, il pouvait choisir dans les boîtes qui embauchaient, puisqu'il avait fini sa formation 3e sur 50. Et comme il habite chez vous, encore merci à madame Marie-Bonne. Je vous en prie, c'est tout naturel. Alors il a demandé à travailler à Clé Minute. Ben, c'est normal, à ses portes d'Auteuil, ça deux pas. Et puis il y a une grosse clientèle, alors c'était bonheur pour la thune. Et c'est pour arroser ça qu'il s'est pris la cuite de l'année? Pas vraiment, non. Faut dire que le responsable du stage, un gros bouffon qui a ça dans le collimateur depuis 15 jours. Ah bon, il aime pas. Ce matin, il a collé à Ivry dans un hypnipris de merde, en disant que 3 heures de transport en commun par jour, c'est encore trop bon pour un feignant de bougnoul. Alors je vous fais pas un dessin, hein. Samir, il a vu rouge, ils sont foutus sur la gueule. Résultat, ben voilà, Samir, il est viré. Oh, ça va, tu vas pas me jouer ta partition sur cette air-là. Je le connais par cœur, l'air des victimes incomprises qui ont la terre entière contre elles. Mais qu'est-ce que vous connaissez par cœur, vous? Vous êtes qui pour me donner des leçons? D'où elle sort, là, votre vision des choses, de votre carapace de vieille bourrique nantie pour qui le pain est presque un agitateur de gauche? Bon, maintenant, tu t'assieds, tu te tais et tu m'écoutes, sinon je vais t'en coller une tout de suite. Moi, je ne crois pas, c'est qu'elle a pété les plombs, plus la harpie, là. Mais qu'est-ce que tu crois pas? Qu'on ait pu vivre, rêver et souffrir avant toi? Ouvre un peu les yeux et apprends à regarder les gens qui sont autour de toi. T'as eu un coup dur aujourd'hui? Et alors? Dis comme ça, tu vas en connaître des dizaines avant d'avoir compris quelque chose à la vie. T'es tombé sur un abruti? Et alors? On est cerné par les abrutis. Tiens, c'est bien simple. S'il fallait coller une pastille rouge sur le front de tous les connards, le monde ressemblerait à un champ de coquelicots. Alors qu'est-ce qu'il faut faire, dis-moi? S'emparer du premier canif qui traîne? S'ouvrir les veines? Se rater, bien entendu, parce qu'on a peur de se faire mal? Écouter 2000 balles de plus à la sécu en finissant aux urgences? Ou bien relever la tête, avaler sa rancune et apprendre à vivre avec? Ben là, c'est sûr, vous et moi, on n'est pas nés sur la même planète, hein. T'as raison, mon pote, et y a pas d'urgence pour que j'ouvre une ambassade sur la tienne. Ah, parce qu'en plus, on se tutoie maintenant. Samir, ma vie est derrière moi.
Je me suis transformée en infirmière militaire pour suivre l'homme que j'aimais sur tous les fronts où ça a pété. Infirmière militaire. Moi qui gamine pleurais à la chasse quand mon père avait écorché l'oreille d'un lapin. Et ouais, qu'est-ce que tu crois, petit merdeux? J'ai aidé des gamins à mourir le ventre ouvert sur une colline qui s'appelait Dien Phen Phu. J'ai ramassé par terre dans les orès des gamins mutilés qui appelaient leur mère. Et il y a des soirs en Indochine où je me serais prostituée pour un flacon d'anesthésique parce que j'en pouvais plus d'opérer au milieu des hurlements. Et tout ça, sans brancher. Par amour. Sans même oser émettre l'idée d'avoir un gosse, comme tout le monde. Un jardin. Une vie normale. Et enfin, quand la boucle a été bouclée, l'homme de ma vie m'a lâchée. Toutes ces années à attendre des jours meilleurs balayés par un infarctus foudroyant. Alors tu sais, pourquoi on n'habite pas sur la même planète? C'est que, malgré ça, ou peut-être à cause de tout ça, j'y crois encore. Je trouve que la vie c'est formidable et que ça vaut vraiment le coup d'aller jusqu'au bout. Ça m'impressionne pas, hein, votre couplet sur la guerre et ses atrocités. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi? J'ai 20 ans, moi, madame. Et votre dinde bien fou, là, c'est qu'un vieux souvenir d'école arrangé sur les rayons Waterloo et Marignan. Vous, la haine, elle était temporaire, jugulée, planifiée par un armistice quelconque en point final, et puis 20 ans après, un verre de l'amitié où tous les survivants s'embrassent. Moi, ma haine à moi, c'est un crabe que j'ai à l'intérieur des tripes. Et à chaque fois qu'elle s'apaise, ma haine, il y a ce crabe, là, qui vient me titiller. Il faut surtout pas qu'elle s'endorme. Ma haine à moi, elle grandit chaque jour dans le regard des autres. Le regard d'incompréhension. On n'est pas nés juste pour être des victimes. Hein. Chez les Belkacem, on n'a pas juste été nourris. On a été choyés, aimés, suivis. Enfin, parce que ça a donné quelque chose. C'est de là aussi qu'elle vient ma haine à moi. Moi, jusqu'à l'âge de 11 ans, mon père, il était tout pour moi. Je le mettais sur un piédestal tellement haut, je lui voyais même plus les pieds. De 3 ans à 11 ans... Je suis tapé tous les défilés du 14 juillet et du 11 novembre. Il était fier, hein, le père Belkacem, avec son petit rejeton par la main et son petit ruban bleu à la boutonnière. Médaille militaire première classe. Eh oui, madame. Et moi, j'étais fier, je voulais lever la tête et dire « C'est moi, je suis son fils !» Puis un jour du 11 novembre, on a repris le RER pour rentrer à la maison. Et dans les couloirs, mon père, il continuait à chanter la Madelon, « Entre sambre et meuse, voilà du boudin !» Enfin, tout beau est à la con, là. Et puis on est rentré dans la rame. C'était rempli de monde. Mon père, il a bombé le torse, le père Belkacem, pour montrer sa médaille à ceux qui ne l'auraient pas vu. Puis à la station suivante, ils sont montés, 6, avec des rangers, c'est le crâne rasé. C'est là que ça a commencé. Alors Krouya, on promène son chiard. Tiens, c'est bizarre, ça sent le melon. C'est pourtant pas la saison, qu'il disait. Alors Bougnoul, tu l'as volé où, ta médaille? Dans le métro, personne n'a bronché. Même pas les mecs qui avaient l'âge de mon père. Ils en avaient rien à foutre, ils regardaient ailleurs. Mon père, lui, il gardait le bout de ses chaussures en me serrant la main tellement fort que j'avais l'impression qu'il allait m'écraser les os. Après 5 minutes, j'ai senti une larme de mon père qui coulait sur le crâne. Cette petite goutte d'eau salée, là, c'était la haine qui entrait en moi. C'est lui que je haïssais. Je le haïssais d'être là sans réaction, de ne rien dire, de laisser faire les autres, de l'écraser, d'écraser mon héros en 1000 morceaux. Moi, je l'ai haï. Lui d'abord, et puis les autres. Depuis ce jour-là, c'est ces types-là que je croise à chaque coin de rue. Avec mon père, on n'en a plus jamais reparlé. On n'est plus jamais retourné au défilé militaire. Puis moi, c'est là que j'ai commencé mes conneries. Moi, ce que je voudrais, madame, c'est juste vivre sans avoir peur. D'avoir le droit d'aimer, d'avoir des enfants qui n'auraient pas honte de mes origines. Mais ce qu'on me demande à moi, c'est de voler des bagnoles et de vendre de la cam comme un arabe normal. Enfin, un arabe comme tout le monde se l'imagine, quoi. Allez, vas-y. Pleure. Craque. T'es pas tout seul, tu sais. Il y a ta Natacha, d'abord, elle t'aime, tu l'aimes, c'est une force. Et puis il y a nous, Jeanne et moi. Depuis un mois, j'ai beau continuer à jouer les ronchons, je sens bien que vous avez apporté la vie dans cette maison. Enfin, on vous a surtout emmerdé, hein. C'est surtout vous, hein, Madame Marivonne. Ne dis pas de bêtises, et puis arrête avec tes Madame Marivonne et tes vouvoiements.
Appelle-moi Marivonne et tutoie-moi. Tu crois qu'un jour tout ça, ce sera fini? Que ce sera mieux? J'y crois, oui. Sinon, pourquoi vivre? Un jour, on se fichera pas mal de savoir si t'es juif, catholique, bouddhiste ou musulman. Il y aura une vraie solidarité, parce que notre vieille terre sera malade, tellement malade que les hommes comprendront qu'ils sont allés trop loin. L'individualisme sera démodé, il faudra céder et vivre ensemble ou bien tous disparaître ensemble. Et il n'y aura plus jamais de ghetto, de deux cités, de béton. Oui, j'y crois, et on essaiera de refaire des villages avec des fleurs, des arbres et une grande place, et tout autour on construirait l'église, le temple... Ah ouais, et puis des mosquées et des synagogues aussi. Oui, et tiens... On installera un grand café avec une terrasse et à la sortie des offices, tout le monde se retrouvera ensemble pour boire un pot. Ah ouais, ça c'est bien ça. Et puis les youyous de Fatma seront accompagnés par les cymbales des bonzes. Et il n'y aura plus jamais de baston nulle part. Ah mais oui, tiens, c'est original. Et tu devras même plus fermer ta voiture parce qu'il n'y a plus personne qui te piquera ton autoradio. Vas-y, va, on donne ça, tu pourras en sortir, vas-y. Bon, ça va, ferme la voiture, c'est plus prudent. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a dans cette tête? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de toi? Allô? Oui, oui, c'est moi. Les services sociaux de la mairie du 16e. Oui, oui, la colonelle Marivonne Dupré à l'appareil. Oui, tout à fait, j'ai déposé une demande de stage pour un jeune homme de ma famille. Oui, oui, merci de me rappeler. Alors, vous auriez éventuellement une proposition de stage rémunérée de 8 semaines chez Fiche et Bauche? Mais c'est parfait. Le nom du jeune homme? Eh bien, il s'agit de monsieur Charles Samir de Belcassé. Oui, oui, deux particules plus loin, Belcassé. Non, non, avec un C, surtout pas de K. Vous souhaitez peut-être que le jeune homme vienne vous voir? Ce n'est pas la peine. Il se présente directement à l'entreprise. Vous nous envoyez une convocation, merci beaucoup madame. Du puissant C de la Roche-Brochant. Oh, mais tout s'explique comme ça. Une très bonne journée madame. Et bing, en plein dans le mille. Charles Samir de Belcassé. Qu'est-ce que tu nous as pas encore inventé là? Que veux-tu? La fin justifie les moyens. Alors, c'est crédible? Presque. Ah ouais, désolé. Ouais. Mais bon, le reste, ça va? Allez, marche un peu pour voir. Ouais, mais on dirait un paysan mal dégrossi. Ça va, c'est bon, on recommence, hein. Ah, mais là, c'est le même paysan, mais ça fait au moins 2 ans qu'il habite dans le marais. Oh, ça va, tout chaud, là. Moi, je trouve que je suis au top, là. Bon, mais on fera avec, hein. Alors, écoute-moi bien. On a une ouverture de stage chez Fiche et Bauche. Non, sérieux? Comment t'as fait? J'ai eu ça par la mairie du 16e, j'ai fait jouer quelques relations. Et ça a marché? Apparemment, mais ne crie pas victoire trop vite, on va recevoir une convocation. Oh, putain, ça c'est génial parce que franchement, je m'y attendais plus. Il faut que je te dise une petite chose, j'ai un peu triché. C'est-à-dire? J'ai un tout petit peu francisé ton nom. Ah ben voilà. Et comment je m'appelle là maintenant? Charles Samir de Belcassé. Comment? Charles Samir de Belcassé. Et on peut tous voyager avec un seul ticket de transport. C'est fun, ça. En attendant, ça n'engage à rien. Et puisqu'il nous fallait ça pour nous ouvrir les portes, maintenant, à toi de mettre le pied dedans pour ne pas qu'elle se referme. Bon, t'as raison, c'est bien. À vous, quand même, c'est une histoire de ouf, hein, tout ça. Je sais bien, que veux-tu? Et il est censé commencer quand, là, le vicomte de Palmerie? Ça sera noté sur la convocation, on l'aura demain. Oh, bah alors ça va, j'ai tout le temps de faire un flip avec Manu. Hop, 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 hop. Leçon numéro 2. Tu vas me peler ce fruit avec ce couvert et sans mettre sur orbite, s'il te plaît. J'arrive, j'arrive. Ne vous dérangez pas, madame Marivonne. On vous remonte vos affaires, ça m'a bien dépanné, hein. Je laisse la planche de fer repasser à côté de la porte. Il est là, Sam? Oui, oui, entrez tous les deux. Alors, il est pour les flips, ça? Il est sapé comme un milord, et je le crois pas. Le temps de terminer de peler le fruit, je suis à vous, cher ami. Oh, mais non, mais j'habite. Mais Jésus, Marie-Joseph, comment vous arrivez à faire ça, madame Marifoune? Vous le battez? Pas encore, même s'il y a des jours où j'en ai très envie. Alors là, je te préviens, hein, la première mandale, je fais l'association SOS à rabattu, hein. Tu vas avoir du mal à trouver des sponsors. Vous voulez que je comprenne à la fin?
qu'il n'y a qu'une solution et pas deux pour que Natacha soit reconnue et existe légalement. Et un passeport, une identité. Allez-y, dites-le. Mais arrête de faire l'imbécile, Sam, tu as très bien compris. Il faut que tu l'épouses, et vite. Ah ben voilà, ça y est, le grand mot est lâché, le mariage. Oh, mais vois pas ça comme un piège, mon grand. Et puis on sait bien que tu l'aimes, ta Natacha. Alors c'est bien le minimum que tu puisses faire pour elle. Mais qu'est-ce que j'allais lui offrir, moi, Nat? J'ai pas de vrai boulot, pas d'appartement. Tout ce que je lui offre depuis le début, c'est des galères. Tu vois qu'on a encore du travail. Il a fait des progrès, mais il ne comprend toujours pas tout. Sam, si j'avais encore 20 ans et qu'on m'aime comme tu aimes Nat, je m'en ficherais pas mal de tes fiches de paie et de tes angoisses de double rideau. Ah ben ça, c'est facile à dire, hein. Oh, et puis t'oublies qu'on est là, nous, maintenant, Marie-Vonne et moi. On s'est pas engagé à la légère, hein. Tu peux compter sur nous. Un peu, mon neveu. T'as voulu squatter notre appartement, nous, on va squatter ta vie. Ça, franchement, je m'en plains pas. Non, mais sincèrement, vous pensez vraiment que c'est pas un coup de folie, hein? Je peux oser. Mais non seulement tu peux oser, mais tu dois, et c'est maintenant qu'il faut le faire. Vite, c'est urgent. Non, mais la vérité, y a sûrement un dieu. Je sais pas du tout ce que j'ai fait pour vous mériter toutes les deux. Ça, on se le demande aussi. En attendant, tu as attendu au bout du couloir. Et tu as intérêt à faire ta demande, sinon je t'étripe. Et dépêchez-vous, on entre dans une demi-heure. Et t'as raison d'avoir peur. Parce qu'on y va tout droit. D'ici quelques semaines, quelques mois, Sam et Nat nous passeront un coup de fil hebdomadaire, puis mensuel, et ça finira par une carte postale à Noël. Et si on tient bien la rente jusque-là, ils nous enverront peut-être leurs gosses à Osgore, avec des t-shirts trop courts et puis des baskets usées. Et nous, comme deux vieilles pommes, on fera tous les magasins de Bordeaux pour les rhabiller. Et Natacha, on en fait quoi dans ce projet? Mais d'ici là, elle sera devenue Madame Belkacem, et on n'aura aucun souci à trouver un salon qui la prendra comme manucure en saison. Non, c'est bien ça. C'est pas si utopique que ça, cette idée, Marie-Vonne. Et puis, à Osgore, en arrangeant un peu le deuxième étage, les jeunes pourraient avoir leur indépendance tout en restant proches de nous. Une indépendance? Pourquoi une indépendance? Un jeune couple avec nous. Tu crois que ça les gêne? Oh, mais je crois pas, j'en suis sûre. Eh bien, on avisera. Et Nat, elle va faire quoi, Nat? Vous faites pas trop de soucis pour Natacha. Ça va être que très bientôt, nouveau petit Sam va occuper tout le temps de Natacha. Quoi? Non, je crois pas. C'est vrai, Nat? Pourquoi tu me l'as pas dit? C'est le plus beau jour de ma vie. Vous trouvez pas que ça va un peu vite quand même? Et si c'est un garçon, on l'appellera Louis Anton Ahmed, comme mon père le tien. Anton Ahmed, voilà un petit garçon qui va partir avec tous les atouts dans la vie. Et puis, si jamais c'est une fille, ben on l'appellera Marie-Jeanne, en l'honneur aux deux fées qui sont entrées dans notre vie. Oh, je rêve, Marie-Bonne, où tu pleures. Non, j'ai une poussière dans l'œil. Il est où le collier? Oh, mais t'as pas besoin du collier. Le seul médicament dont t'as besoin, c'est de venir nous embrasser. Sam, Nat, vous les gardez une petite seconde? Et vous leur avez annoncé pour le cinquième? Oh non, pas encore, c'est une surprise. Tout ça va faire, ils arrivent. À la une, à la deux, et pour le bébé, pipi! Hourra! Pipi! Hourra! Trop gentil. Oh, c'est super, vous êtes tous là. Ah, une occasion comme ça, ça s'arrose, hein, mon pote. Et t'as pas le choix, maintenant que je sais. J'ai hâte d'être parrain. Ben, te bile pas, mes frères, comme parrain, il y aura personne d'autre. Et puis, quand t'auras goûté au jour d'être parrain, tu voudras peut-être être papa à ton tour. Hein. Manuel, c'est tout me fait un coup comme ça. Il y a deux couplets, les oreilles. Et je les fais cuire dans une poêle à frire avec plein de piment. Quand je pense que ces deux-là sont rentrés par la fenêtre, quand même ma situation, la drôlement évoluée, hein. Sam, approche, on a un cadeau pour toi. Tiens, ouvre vite. Ah bah, c'est des clés, quoi. Qu'est-ce qu'il a fait comme progrès? C'est un symbole, en rapport avec la boîte qu'on va monter. C'est même plus que ça. Alors là, moi, je te suis pas du tout, hein. Eh bien, si tu me suis pas, tu chopes Natacha sous ton bras, tu montes deux étages, et avec ses clés, tu ouvres la porte de gauche. On vous a loué deux pièces du cinquième. Comme ça, si tu veux tout savoir, ça nous libère la petite chambre pour en faire une nurserie. Oh, franchement,
Je sais pas quoi dire. Eh bien, tu dis rien, tu montes et tu emmènes Sam à, tu emmènes Manu avec toi parce que les peintures sont à refaire. Manu, tu vas avoir du travail. Franchement, c'est génial. Génial. Allez, tous les deux, on monte. Ah, quand même, hein, c'est doux là. Hein. Et pour vous dire une grande merci, hein, elle vous doit une fière bougie. Commandez, hein. Ça, c'est certain. Emmanuel, qu'est-ce que vous allez en faire? Bah, je sais pas du tout. Vous connaissez pas la dernière? Elle se met dans la tête d'apprendre la plomberie. Alors, moi, je veux bien, mais où ça va le mener, ça, la plomberie? Oh, la plomberie, c'est pas si inintéressant. Qu'est-ce que tu en penses, Marie-Vonne? Je trouve que c'est même une très bonne idée. Ah bon? Et vous pensez, vous croyez ça toutes les deux? Ben, où ça va les conduire? Où ça va les conduire? À Osgore. Et donc pas longtemps encore. Tant d'affaires, je ne crois pas. Vous en faites une tête tous les trois. Mais qu'est-ce qui se passe? Racontez-nous. L'appartement du cinquième, il est squatté. Quoi? Par deux blagues. Oh non, ça va pas recommencer. Jésus, Marie-Joseph.